Bonjour frères et sœurs, comment nous est matin? Hein? Nous souhaitons nous toutes passer une bonne nuit. Nous disons bon Dieu merci, nous permet nous passer un bon sabbat, nous commencer une nouvelle semaine. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous allons continuer avec lecture matin, hein? Nous prier. Seigneur, merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour l'amour. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, Seigneur. Merci pour tout ça que vous continuez à faire pour nous. Merci pour l'amour envers nous-mêmes chaque jour. Nous allons commencer à parole du Seigneur. On va mettre dans bonjour tout ça pour nous dire. Et puis Dieu va béni au nom de Jésus. Amen. Lecture matin 28 janvier. Nous venons dans l'histoire de la rédemption. Nous allons continuer avec chapitre 6 qui est pour titre 7 et Enoch. Nous avons commencé avec chapitre 7, moi je l'ai dit, 7 et Enoch. Nous allons continuer avec sous-titre la translation d'Enoch. Nous t'ouais et Jean que Enoch il était fidèle ensemble avec bon Dieu. Il était raillé péché. Il pas mêlé ensemble avec descendant Caïn, quoique il était toujours prêché l'évangile. Les bon Dieu ba li message, li allait, li al prêcher, li al exhorter, li al avertir. Mais il était passé en pile temps dans la prière. Il était passé en pile temps à chercher bon Dieu et il était resté loin ça qui mal. Jodi an nou ap li sou la translation d'Enoch. Li di Enoch continue ap grandi spirituellement nan communion li avec bon Dieu. Chaque jour Enoch li vin pi près bon Dieu. Pendant que li ap instoui si la ou ki tap koutel, li l'ap bay ou des paroles de sagesse, li l'ap enseigne yo, li l'ap prêche yo. Gayon lumière rayonnant qui était sous visage li. Enoch tellement en relation avec bon Dieu, li paraît dans figure sous visage li, li gayon lumière rayonnant. Les que moun kap tande yo yo wè ça dans figure li, yo wè ça dans visage, yo wè aspect visage li qui rempli avec une dignité céleste. Li dit ses auditeurs étaient remplis de crainte. C'est avec la crainte que autant des paroles sagesse Enoch. Il dit bon Dieu, tu remets Enoch parce que Enoch t'est obéi avec fidèlement. Enoch t'est raï péché, il détestait l'iniquité. Et puis il était toujours à chercher gain connaissance qui pi haut de bon Dieu, de volonté bon Dieu et pour lui capable accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Enoch pas ton mot délagué. Enoch c'est continuer, il t'est continuer à grandir relation la bon Dieu chaque jour à vinn plus solide parce que li remet Seigneur et li vle obéir. Li dit Enoch t'est vle pour le gagner un lien plus étroit avec le Très-Haut. Avec bon Dieu ça que il t'est gagner la crainte pour lui t'est respecter, lui t'est adorer. C'est chaque jour t'est gagner désir pour le bon relation. Pi close, en relation pi étroit, pi bon ami bon Dieu. Il dit bon Dieu pas vle pour homme sain ça. Té mouri même j'ai avec l'autre monde. Alors bon Dieu voyait des anges pour capable enlever Enoch menel dans ciel sans que le pas passer par la mort. En présence juste yo ni en présence méchant yo, Enoch té enlevé, li monté dans ciel en présence yo. Il dit que moun yo la yo Enoch ale, yo pense que bon Dieu juste transporte le mette le non l'autre côté un lieu de retraite un côté qui éloigné et puis moun la moun ki te renmen yo yo ale a chercher le mais là que yo wè yo cherche Enoch yo cherche Enoch yo ba wè Enoch et puis yo apprend que Enoch pa ta vè encore parce que bon Dieu li prend Enoch. Enoch te tellement gon relation étroite avec bon Dieu, fidèle, sincère, remè bon Dieu. Bon Dieu va quitter le passé par la mort, bon Dieu enlevel, li menel dans ciel. Li dit par la translation d'Enoch, bon Dieu ba nou yon enseignement qui gont en pile importance. Bien que Enoch te yon descendant Adam, Adam te péché. Ça veut dire Enoch, li fait avec yon nature pécheresse. Enoch son descendant Adam que lui c'est pas li pas fait quand on dit
li te fèt, se pa, li pa genyen, on natyo pécheres menm jan avèk Adam, menm jan avèk descendan Kayen yo. Li gon natyo pécheres menm jan avèk tout moun. Mais la vie Enoch montre que lè ke nou aksepte le sakrifis de Jésus par la foi et que nou obéi fidèlement avèk commandement bon Dieu, eh bien nou ap récompensé. Bon Dieu récompense Enoch. Enoch te tellement marché droite avec bon Dieu récompense Enoch. Eh bien nous même tout si que nous gen la foi dans le sacrifice de Jésus, nous ap servi bon Dieu fidèlement, récompense nous pas trop loin. Bon Dieu ap récompense nous. Li di la, c'est deux catégories moun ki existe pou jusqu'à la fin, pou jusqu'à la seconde venue du Christ. Deux catégories. Les justes et les méchants, ou bien les rebelles et les fidèles. C'est deux catégories moun sa ki gen. Ou bien on juste, ou bien on méchant. Ou bien on son rebelle, ou bien on son fidèle. On moun ka obéi. Li di, bon Dieu l'ap sonje juste yo ki gen la crainte pou li. Au nom de ton de son fils bien-aimé, li a honoré yo et li a bay la vie éternelle. Mais méchant yo qui méprisait autorité, eh bien y a détruit, y a effacé de la terre. C'est comme si yo pa jamais existé avant, c'est comme ça yo pral disparaître. Mais les méchants qui méprisent son autorité seront détruits et retranchés de la terre. Il en sera d'eux comme s'ils n'avaient jamais existé. Est-ce que c'est comme ça nous t'a remis pour fin nous river pour bon Dieu t'a retranché nous et bien nous bouler nous périr c'est comme si nous pas jamais existé ou bien nous t'a remis pour nous joindre récompense de la vie éternelle bon Dieu dans l'amour dans bonté il préparer toute belle bagarre pour nous bagarre que nous pas même qu'à imaginer ça cap tande nous pour cela qui fidèle qui sincère et bien on nous choisit le bien. Frères et sœurs, on nous gourme pour nous pas comme si nous pas jamais existé avant. Il dit puisque Adam avait perdu la condition de bonheur parfait qu'il avait connu, puisque Adam bonheur parfait que l'était connu avant, il était perdu, il est tombé dans le péché, il est tombé dans le malheur. Eh bien, les humains nous risquaient pour nous décourager et puis pour nous dire ça va être nous rien pour nous servir bon Dieu, nous obéir. Nous tendons, nous obéissons, nous participons, nous faisons toute qualité de cérémonie. Et puis après ça, pour nous pas tirer aucun profit, bon Dieu fait nos promesses. Il fait nous connaître que si nous obéissons, mais qui récompense que nous recevons. Ça veut dire nous pas doué décourager pour nous dire mes amis d'accord on m'a servi bon Dieu regardez tout sacrifice m'a fait et puis regardez mal les cas pour vivre regardez comment la vie mieux comme si bagarre pas marcher pour moi bon Dieu pas voulait pour nous parler comme ça pour nous parler décourager même là nous vivre dans un monde qui chargé avec malédiction côté que nous exposé à la mort nous pas doué décourager bon Dieu ban nous enseignement. Li fait nos promesses. Même Jean 7 t'a obéi. Enoch t'a obéi. Bon Dieu, regardez comment bon Dieu li prend Enoch. Il mène Enoch dans le ciel. Eh bien, nous même tout si que nous rete fidèles, nous gen pour nous jouir de promesses que bon Dieu fait nous. Nous gen pour nous aller dans le ciel, pour nous aller vivre beaucoup de Seigneur. C'est pour nous pas quitter ténèbres. Pour nous envahir nous, pour quitter l'obscurité, envahir nous. C'est pour nous rester dans le pied, bon Dieu. Mandez bon Dieu pour le capable éclaircir pour nous. Car de même que la mort est venue pour Adam, de même, la vie et l'immortalité seraient obtenues par Jésus, le Rédempteur promis. La mort venue avec Adam. Adam péché, la mort venue. Mais Jésus, il portait pour nous la vie, il portait pour nous l'immortalité. Alors nous besoin pour nous accepter Jésus pour nous obéissant. Il dit autant d'Enoch, on fit savoir aux fidèles découragés que bien que vivant dans un milieu corrompu qui affichait ouvertement sa rébellion contre le Créateur, ceux qui lui obéiraient et qui mettraient leur confiance dans le Sauveur promis, agissant avec droiture comme le saint homme Enoch, seraient approuvés de Dieu et finalement élevés jusqu'à son trône céleste. Nathan Enoch, c'est ça, oui, yo apprenne. Fidèle yo ki décourage yo.
Même là, nous vivons dans un monde qui est corrompu. Non monde côté que yo en rébellion contre bon Dieu ouvertement pas gen caché encore non gen moun clairement yo dou c'est Satan y a servi yo connaît qui est y a servi yo non rébellion totale ouvertement y a rébellé contre bon Dieu mais qui ça nous apprend de ça qui passé de histoire Enoch moun qui a obéi moun qui mettait confiance yo dans le sauveur promis. Ça c'était pour fidèles découragés dans tant longtemps yo mais qu'on y a sauveur a vini déjà nous même qui met confiance dans sauveur qui a pas agi avec droiture même j'ai ensemble avec Enoch eh bien bon Dieu il a accepté nous il a approuvé nous et finalement n'a élevé jusqu'à son trône nous praler pour nous camper en présence de Dieu qui chita sous trône c'est promesse ça que bon Dieu fait nous. Les que nous séparer nous du monde, nous mettez péché de côté, qu'on est que promesse bon Dieu, c'est pour nous que y est. Il dit, Enoch, les que les séparer du monde, les passer en pile temps dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, eh bien, les représenter peuple bon Dieu, qui fidèle à bon Dieu dans les derniers jours, qui au même tout, yo pral camper à l'écart du monde. Petit bon Dieu qui fidèle, nous pas capable de mélanger avec le monde pour nous faire les œuvres du monde, pour nous vivre même dans le monde, nous manger même j'en avec nous, nous habiller même j'en avec nous, nous parler même j'en avec nous, nous faire même bagaille, même loisir, nous pas comme ça. Peuple bon Dieu qui fidèle, il dit, nous, c'est un représentant du peuple de Dieu dans les derniers jours. Nous pas capable pratiquer les œuvres du monde, nous pas capable à pratiquer les œuvres de la chair, nous besoin pour nous vivre selon l'esprit. Il dit que l'iniquité des humains pral atteint un degré qui fait peur, qui effrayant. Tellement l'iniquité pral grandit, c'est l'iniquité qui pral cap régner. Il a pral livrer avec toute qualité péché. Il pral faire tout sa cœur perverti yo di yo pou yo fè. Et puis yo pral hostile à l'autorité de Dieu. Y a pas passé bon Dieu en bas pied yo, yo pa respecté bon Dieu, y a hostile, y a blasphémateur. Yo pral fè sale idée yo di yo. Mais peuple bon Dieu qui a fidèle à bon Dieu les derniers jours, nous pas pral pratiquer les œuvres du monde, n'a pas campé à l'écart du monde. Il dit les membres du peuple de Dieu y a renoncé avec coutume impie sa yo. Nous pas pratiquer yo, n'a dit non aux coutumes du monde. Moun ki entoure nou yo, les méchants, les infidèles, les incroyants. Nous pas pratiquer œuvre yo, mais n'a chercher la pureté des pensées. N'a chercher pour nous conformer nous à la volonté de Dieu pour jusqu'à ce que image y reflète dans nous-mêmes. Il dit comme Enoch, ils seront dans les conditions requises pour être transmis au ciel. Nous bral c'est un faut nous tant qu'Enoch. Même Jean avec Enoch, nous bral la position pour bon Dieu dit nous eh bien OK. Nous bral nous paraît oui pour nous monter dans le ciel. Bon Dieu c'est caractère là pour nous reproduire dans nous-mêmes. Bon Dieu connaît tout monde pas converti. Mais bon Dieu a tant caractère reproduit dans nous. Les caractères reproduit dans nous, les en a prêt pour nous monter dans le ciel. Et puis petit bon Dieu, yo pral enseigner le monde, yo pral avertir le monde, yo pa conformer yo même gens avec le monde. Yo pa pral gen habitude incroyant yo. Y a condamné habitude yo, mais conduite yo, piété yo, sainteté yo, c'est ça même qui pral condamner habitude le monde parce que gens yo vivent totalement différent. Gon ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et le monde. Conduite-nous, exemple-nous. Après le condamner habitude incroyant yo. Il dit la translation des notes qui précéda de peu la destruction de l'humanité par le déluge préfigurait l'enlèvement de tous les justes vivants qui aura lieu avant la destruction de la terre par le feu. Enoch montait dans le ciel avant le déluge. Eh bien, nous-mêmes, tout peuple bon Dieu, à qui fidèle, n'a pas enlevé avant que bon Dieu lui détruise par le feu. Il dit alors, les saints seront glorifiés aux yeux de ceux qui les ont
haï à cause de leur obéissance fidèle aux cinq commandements de Dieu. Pour qu'on y a là, yo haï nous. Parce que conduite nous fait yo que yo même yo nan fait noir. Conduite nous piété nous fait yo que c'est yo même qui nan sac pas bon. Et bien yo haï ou. Yo haï ou à cause de conduite ou de obéissance ou. Mais là que wap enlevé, il dit les saints y a glorifié dans Dieu s'il a aussi raï ou à cause de obéissance yo à commandement bon Dieu. Yo va gen pour persécuter ou à cause des commandements de Dieu. Yo va le tuer, yo va mettre en prison. Yo va le condamner ou. Mais très bientôt, nous va glorifier, nous va glorifier devant Dieu méchant yo à cause de obéissance nous au commandement de Dieu. Rete fidèle jusqu'à la fin. Nous connaissons qui sa récompense là. Très bientôt, Jésus va retourner pour venir chercher petite Léo qui fidèle avec nous. Nous rete fidèle. La foi qu'on gagne, kembel pour les Jésus vini pour le pas nous léger dans balance là. Et puis pour aller détruire ensemble avec méchants. Que bon Dieu aide nous pour nous persévérer jusqu'à la fin. Ou gen doit son bon nous aujourd'hui, mais veille pour pas tomber. C'est pour toujours continuer à avancer vers l'avant. Toujours à chercher vos bonnes relations qui pillent trois ensemble avec bon Dieu, même avec Enoch. Pas jamais vont côté senti on pou n'a fin rivé bon et pour ou pas faire effort encore. Continuez faire effort, continuez à apprendre de Dieu, continuez dans la prière. Continuez dans l'étude de la parole de Dieu pour chaque jour pour nous capable plus près bon Dieu jusqu'à ce que bon Dieu dise mon monde ça yo ressemble à lui. Li le li temps pour monter dans le ciel. C'était là nous finir avec l'écrit matin hein? À nous prier. Seigneur merci pour grâce, merci pour parole, merci pour exemple qu'on ban nous. Jean que nous doyer Seigneur t'en prier de nous pour bagarre le monde pour pas intéresser nous coutume le monde habitude le monde pour pas intéresser nous mais pour nous prendre plaisir pour nous contempler caractère et comme ça va changer n'assembler avec vous sauvez nous dirigez nous prions comme ça au nom de ton fils Jésus amen.